Je vais tomber par terre. Voilà. Non. Vous le savez, il y a un truc que j'ai toujours rêvé de faire, c'est les camps d'entraînement. J'ai eu l'occasion d'en faire un très petit parce qu'on n'était que trois. J'ai pris Rebeu des Terres, Amine et moi, et ce qui s'est passé, c'est que pendant 10 jours, ils se sont entraînés, ils ont mangé, et ils ont dormi comme moi. Ça a été un enfer pour eux, mais ça a été une expérience de malade. Dans cette vidéo, vous allez suivre leurs galères, leurs échecs, leurs réussites et leurs ressentis. Et moi, je serai derrière tout ça. Donc cette vidéo, super bon délire, et qui sait, peut-être que dans les prochains camps d'entraînement, vous serez présent. C'est un projet qui me tient à cœur, qui va de plus en plus grimper. Donc dites-moi dans les commentaires si vous voulez voir absolument une édition 2. Et vous l'avez sûrement remarqué, mon rythme sur YouTube, il est irrégulier de malade. Donc il y a un truc très important que vous devez tous faire, activer cette putain de cloche. Il faut vraiment que vous soyez au courant quand je pose une dinguerie. Et si vous êtes nouveau, abonnez-vous. Manga Workout, la chaîne qui te fera atteindre des sommets. Dernière chose avant de commencer, le code sur MyProtein Manga est actuellement à moins 40% de réduction. Donc c'est aujourd'hui, fonce, tu vas te mettre bien. J'espère que vous êtes prêts parce que ça commence maintenant. Oh non, oh non, caresse, c'est bon, il est gentil. C'est lui, t'aime bien. Mais pourquoi il me lèche? Parce que t'es un peu salé, je pense. Va-t-il réussir le deuxième essai? Allez, 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 allez. Oui, 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 oui. Dommage. J'ai une question à te poser ici. À ton avis, qui a le plus dérouillé ses toilettes? Ah non, c'est lui. Attends. Maintenant, regarde Twitter. Il a lâché une merde. Tous les gens sont partis voir le gros caca, Titris. Il a lâché la tour de Pise. J'ai perdu 3 kilos quand j'ai fini. Mais frère, tu fais l'inverse. Tu bloques quand tu dois monter. Eh, hey, j'en veux plus. Eh, hey, le bloque pas, Amine. Tu le bloques quand il doit monter. Là, c'est en train de s'écraser sur moi. Ouais, je suis pas laissé. Voilà. Je l'ai fait. Non, je sens que je le fais. Au nom d'Allah, je vais les faire les 200. Je bouge pas d'ici. Billy, hop, il ouvre le t-shirt, il laisse toutes les étiquettes par terre. Mais j'étais en train de les jeter, à peine en les ayant posées. Le t-shirt plein de sueur de la salle qu'il avait, il l'a laissé sur la table où on mange. Oh, il a pas tort. Nous on mange ici, là il vient de s'entraîner avec. 50 kills, c'est habituel pour toi. C'est même banal, t'aimerais avoir 60 là. Bon, mais là, il y a une difficulté en plus. 50 kills, eh, là. Là, je te donne un challenge. Non, il veut monter d'un étage. Pas mal, pas mal, pas mal. On veut te voir dans la difficulté pour une fois. Frérot, avec le dos, utilise allez, tes jambes, ton dos. C'est les épaules là. Voilà. Allez, 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 allez. Oh, easy. Oh le prince. Oh non, le monstre. Oh le prince. Oh le monstre. C'est trop dur comme ça. Ah, ouais. C'est deux fois plus dur. Oh le monstre. Oh allez, le monstre. Ça prend. Je suis mort. On dirait les interviews de rescapés de guerre. On va s'en sortir, Idriss. Je suis sa chaîne pendant une jour, 24 heures. Tu prends ma chaîne. Je fais ce que tu veux. Ça veut dire. Non, mais ça veut dire. Ah, je commence à autre chose que j'allais dire. Oh, ça meurt au baveuse. Je préfère ça, toi. Moi, j'allais dire, genre, bah, si tu veux, je te fais ton petit déjeuner. Je te fais tout ce que tu veux toute la journée pendant 24 heures. Tu me dis, ouais, va me chercher ça, j'y vais. Donc... Celui qui réussit pas, c'est la chaîne de l'autre okay, pendant mais un qui jour. Réussit pas quoi 130, une rep en 2023. Et moi, sinon, 100. 100, mais au quoi? Au coucher ou décliné? Au décliné. Au coucher, je suis à 60. 110 décliné. 110 décliné, c'est équivalent. En termes de progression, tous les deux, c'est la même. 130 pour lui, ouais. C'est ton 110 décliné. Mais parce que décliné, c'est plus facile que bench, en fait. Ou un des deux, vas-y, un des deux. Tu vois. Un des deux. On serre la main. Serre vous la main. Donc, qui sera la salope de l'autre pendant 24 heures? Alors que c'est dans un an, quand même. Regardez Billy dans le fond, il questionne sa vie. Bien. Là, ça commence à arracher. Bon, okay. Repas du soir, je suis avec Billy. 125 grammes de riz, 250 de viande hachée et des asperges. Ça a l'air délicieux, ça. Il te manque quoi là? Un yaourt, c'est tout. Je vais le prendre après. Et en plus, il a un petit skir sa mère. Et let's go. Il est Skir, c'était bien, ça c'est un sac combo. Donc voilà, un petit repas du soir, glitch facile. Pour le riz, quand vous n'avez pas le temps, parce que là on a vraiment pas eu le temps, tac. Riz pré-cuit, ça fait le taf. Moment symbolique. Mais non, mais il y a un problème, contre-toi, tac. Non, 9-3, bien wesh. Avec un pantalon. Si vous voulez, sans pantalon. On est un peu trop mort pour fêter ça, soi-disant, mais. Ça se voit, vous le ventre, quand même, non? Ouais, de ouf. Muscle up. Muscle up. Nouvel essai. Oh! Mais à chaque fois, tu te rapproches de 1%, on dirait. Oh, passe-moi le chargeur, Yazebi. Ah, tu veux dire? Oh! Ah,
jure, tu m'entendais pas. Ah, tu me parles à moi. Je te parlais à toi depuis tout à l'heure. Mais frère, je pensais que t'étais sur Discord. Mais non, j'ai chez eux. Je vais le jeter. J'ai le mandarin dans le main, je me suis dit, mais comment il peut faire perdre un mec sur Discord avec ses phrases? Oh la prise. Amine, aide-moi, arrête de rigoler. Oh la prise. Tranquille, on peut parler, on peut parler. Le plat d'Amine. Eh Billy, faut vite que tu le cotes. Vas-y, Billy. Pas manger le plat, Billy. Alors, Amine, il nous a fait un combo. Un combo très intéressant. Ce sont des toasts aux œufs et au poulet. Ça a l'air dégueulasse en tout cas. Je vous rappelle que ce gars ne touchait pas une poêle il y a 3 jours. Et là, il a mis quoi? Un peu de persil. Des épices, tac. Le pain toasté. Pain complet toasté. Delicious. Le poulet, tu vas péter ta tête. Mange avec le toast. T'as l'impression qu'au-dessus il est trop cuit, mais dedans il est tendre. Oui, mesdames et messieurs, il y en a qui vont être choqués. Oui, le pain de burger se toast. Et quand il sera croustillant, ça va commencer à sucer. Sabine, il laisse des couteaux par terre. Frérot, je suis pressé, j'ai la tête partout tellement je dois. Nous arrivons à la création du Amine Burger. Pas complet. Aucune sauce, aucun gras, seulement des herbes, des épices. Une escalope cuite comme si c'était au barbecue. Oh my god. Et une œuf. Cuit à la perfection. Regardez, regardez comment ça coule. Oh. Non, c'est trop. Oh, non. Non, les gars, moi je peux pas faire mieux. Ça coule de partout. Et en fait, ce qui est bien, je vais te dire, c'est quoi le glitch? C'est que l'œuf, le jaune, même si t'aimais pas coulant, je t'aurais laissé coulant parce que instinctivement, ton cerveau, il va croire que c'est une sauce quand tu manges le burger. Waouh. Eh, le burger, incroyable. Amine, tu peux être fier de toi là. Je vais pas mentir, mais Amine a gagné sur le combat du goût. Mais Idriss, pourquoi ton crâne, il est tout chauve? Parce que j'ai choisi de ne pas aller en Turquie. C'est vrai. J'ai choisi de passer de l'assaut. Bon, franchement, c'est juste de la logistique. On a pris les cheveux là, on les a déplacés là. Ça s'appelle la logistique. Let's go. Un peu plus bas. Boum. Mais non. Là, c'est bon. Bien. Vas-y. Vas-y. Dernière. Vas-y. Tiens. Encore une. Quand il y a un traité de confiance, si tu le trahis. Mais je le trahis tout le temps. Frérot, t'étais sous pétage de crâne. Ouais, ça va? Son cou, il était veineux, c'était. C'est le morceau qui t'est battu. Non, celui-là, j'ai fini. Non, je te jure, c'est un morceau. Eh, la tête tournée avec ta forme pouffy. Poofy face. Non, parce que j'ai un bras et un monde. Ah, ok, ça va alors. C'est-à-dire que je ressemble à ça. Bon. Alors que maintenant, regardez comment il s'est affiné du visage. Ouais, regarde. Vas-y, mange. Oh, il dégoûte. Hein, je suis là, il dégoûte. Vas-y, là, tu t'affines. Voilà, voilà, regardez ce visage. Mâchoire bien carrée, non mais menton bien. C'est-à-dire que moi, faut que je fasse de la boxe pour encaisser des gros punch, non? C'est le cou qui encaisse surtout. La mâchoire, non? Ça intervient un peu, mais c'est pas aussi important que le cou. Tu m'as dit, pourquoi tu mets ton épaule comme ça? Bah, c'est pour ça en fait, tu protèges toujours d'un côté. Moi aussi, je vais trouver mon style comme toi. Trouve ton style. C'est un peu vicieux comme ça. Monsieur Burns. Alors là, on est rentré, on a de la visite, tac. Est-ce que Amine va se faire baptiser? Non, moi, il n'y a pas de... Ça, c'est une belle métaphore de ce qui se passe dans votre vie, à l'école, au travail. Quand ça, dans votre vie? Je vais t'expliquer. Quand vous laissez les gens prendre la confiance au travail ou à l'école, ils se permettent plein de choses avec vous. Laissez même pas une seule brèche d'ouverte. Faites pas comme lui là-bas. Regardez, il est en dépression maintenant, pourquoi? Il a laissé la brèche d'ouverte et il a subi du harcèlement de la part du chien. Posez direct les bases. Moi, j'ai laissé quelle brèche? Tu vas la fermer ta gueule, toi, maintenant. Je sais pas si je vais filmer et jeter en même temps. Tu dois l'attraper à une main, Billy. Ah. Ok, attrape-la, Billy. Non, attends. Vas-y, Amine. Amine. Inès, reste en position, reste en position. Une chacune. Allez, Amine. Un, Hadouchel. Un, deux, trois. Boum. Allez, remontez. Bien joué, let's go. Allez, la dixième. Allez. Non, elle est pas passée. Repose, souffle un peu. Jérémy, reste en position. Non, souffle. Vas-y, boum. Reste gainé, pousse. Voilà, bien, c'est bon. Une rêve. Allez là. Mais gros, tu joues à quoi, frérot? Soulève-lui là. Attends, je finis, je vais commencer à parler de ta daronne. Attends, ça fait mal, frère. J'ai grave mal. Let's go. Laisse. Je touche pas. Non. Le gauche c'est trop dur. Mais qu'est-ce qu'il y a? J'en peux plus. Vous êtes dangereux les gars. Eh, je l'ai laissé hein. C'était un massacre. Regardez l'ambiance fin de séance. Les visages sont serrés. Elle a changé l'ambiance. On va parler. D'ailleurs. Moi je pense que c'est deux choses différentes. Je te jure que je suis pas cuit. Je me suis juste froissé le cou.
suis pas expressif, mais la douleur, elle est incroyable. Fin d'entraînement en dos, comment tu te sens? Ça va, et je ressens mieux le mouvement dans le dos maintenant. Et muscle up, certaine? Ouais, juste dommage, la première, j'aurais dû la rentrer parfaite, mais la barre, elle a glissé, je pense. C'est le jeu. Amine, comment sens dos? Mon dos, je le sens de ouf, trop content, c'est le début des premières tractions, c'est le début d'un long chemin, le but là, ça va être maîtriser les tractions. Et... danser du dos, on monte pas le physique, ni rien. Non, je pense on monte pas danser du dos. Quoique Billy, lui, il est un peu en mode olé olé, mais. Comment ça en mode olé olé? Je rigole. Peut-être un jour, vous verrez le gros saut physique des deux. Pour l'instant, voilà, c'est juste l'arc entraînement. On s'amuse, ils évoluent, je crois vous le voyez déjà sur leur visage, c'est plus les mêmes. Regardez ce BG. Attends, recule. Je te promets, regarde, il a une mâchoire carrée. À chaque fois qu'il doit faire le BG, il écarte les narines, il avance la mâchoire. Dites dans les commentaires la vérité, son visage. Mais il a meilleur de fou, il a meilleur de fou visage. Je vous laisse même pas imaginer le corps. Et Billy, bon, grosse barbe. Non, mais Billy, non, il verra quand il va raser sa barbe, il va je vais la raser. C'est votre épreuve sur ces deux derniers jours. Vous battez sur le plat, celui qui fait le meilleur plat. Côté tous les deux, vous avez le même talent en cuisine. Frère, on est fatigué, voilà. Tout le monde est fatigué. Non, moi je vais faire mon meilleur plat. Tu vas faire à manger, sinon je vais de soulever ta grand-mère là plus vite que ça. Là. Mais attends, faisons la vaisselle dans ce cas-là. Bah frérot, c'est ton boulot. Théoriquement, j'ai fait à manger hier. Les refs, je le jure, je fais pas et vaisselle et graille. Ah, mais toi, t'as jamais fait la vaisselle? J'ai fait ma manger à chaque fois. Oui, et alors? Bah, tu peux switch sur la vaisselle. Bah oui, là, c'est bah, cool. Oui. Bah, fais à manger, bah, alors, oui. Je fais la vaisselle. Je ferai la vaisselle d'après ton plat. Non, mais du coup, non, mais il a raison, Billy. Demain, je fais à manger. Ouais. Et là, il fait à manger. Oui. La vaisselle, tu vas aujourd'hui et demain. Frérot, mais oui. Frérot, tu vas noter quoi? Je vais faire. Et tes coquillettes avec un steak. Ah, je le dis, je vais tricher. Faites ce que vous voulez. Et en plus, je prends les steaks. C'est moi qui prends les steaks. Moi, je m'en fous. Je vais tricher. Et demain, après la salle, je vais intermarcher. Ok, et moi, tellement je suis un bonhomme, je suis avec les moyens du bord ici. Tentative 2, Amine, est-ce que t'es sûr d'avoir? Je te dis parie pas parce que c'est très bizarre de parier là. Les jambes, c'est incontrôlable ça, merde. Pour moi, c'est l'inverse. En fait, c'est même pas une question que je peux pas changer. Parce que là, il l'a. Je sais que t'aimes pas les excuses, mais c'est pas une question que je peux pas changer de fois, c'est que je commence à sentir que je suis en bout de force. Alors, quoi tu fais? Qu'est-ce qu'on a dit, Iris? Persévérance. Alors, à quoi servaient les excuses avant? Eh bah, dis-moi, je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. Voilà. En attendant, je vais filmer la zone point d'hygiène de Billy. Regardez bien. Ça, c'était la zone de Billy. Billy, point d'hygiène, tout ça, je note. Après, de ton côté, hey, il range en screen. Ah, le bâtard. Non, c'est pas pareil. Il y a un peu de vêtements, mais par exemple, ça, c'est mon pyjama. Il y a le Mac. Bon, il y a une bouteille vide. Ah, petite bouteille vide. Oui. Petite barre prot sous le lit. Globalement, ça va. Et surtout, t'as vu, tous mes vêtements, ils sont regroupés autour de mon sac. Non, ça va, c'est clean. Vas-y, Billy, muscle up. Oh sa mère, let's go, bien joué. Ok, ambiance, camp d'entraînement, là on vient de rentrer de la séance, on a fait un petit truc avec Billy. Ah, tu filmes, pardon. T'as fait quoi? Regardez, c'est insociable. J'ai rentré le muscle up, mais les autres savent pas encore. Je l'ai rentré à 97%, je dirais. Pour l'instant, j'étais pas parfait. Pour l'instant, j'allais pas. Est-ce que t'es fier de ta progression au muscle up? Ouais, trop. Là, vraiment, et je vous promets, il y a quoi, il y a un mois et demi, ouais. Il avait pas une traction. En un mois, c'est fou là. Là, l'éveil du potentiel. Mais c'est que le début, c'est que le début. C'est... On va continuer les efforts là. Bah, du coup, là, ce qu'on fait, c'est on a commandé de la graille, du poulet, etc. Je vous montre l'assiette, et là, on tue le temps avec du ping-pong. Oh. Fin du match. Je l'ai anéanti. Une rep de muscle up. Je vais être le premier entre moi, Inox et toi à réussir à la faire. Oui. Je l'ai mal fait. Ouais, il a mal fait. Ouais, mais il l'a fait. Il a mal fait. Tout à l'heure, il a réussi à avoir le double. Ouais, c'est vrai que là, il a mis un truc. Un deuxième, mais... Bon, je tenterai le deux bien. Là, moi, j'avoue, je valide pas. Ouais, elle était bien. Elle était super propre. Elle était super propre. Bien joué, les gars. C'est le dernier jour. Camp d'entraînement, première édition. Tu sais ce que t'as dit? Bien joué. Camp d'entraînement, première édition. Ouais, mais c'est quoi l'édition 0? L'édition 0. Une édition, elle a été supprimée de tous les sites internet. Elle a été censurée par la presse et tout. Il n'y a aucune trace. Tu peux la trouver que sur Dark Web. Tu veux voir la longueur de mes cheveux? Ouvre la poubelle. Ah, mais c'est en dessous. Oh, sa mère. Ah, si, je vois. Moi, quand je pars, à chaque fois, le lavabo, je le nettoie. Arrête de mentir. Je te promets, je le nettoie. Frérot, c'est toi qui le dégage. Regarde, c'est simple. Contre l'hygiène, regarde, Idriss. Tous les trucs, les produits, ça, c'est à qui? À moi. Là, pour se laver le visage. J'en ai du gel antibactérien. Non, laver le visage. La brosse. La serviette de Billy qu'il a pris au propriétaire, c'est pas à lui. Serviette, c'est la mienne, je l'ai pris de chez moi, elle est marron. J'ai ma trousse de toilette complète. Tout. Dentifrice, produits, cire, tout ce que tu veux. Bon, ouais, après, il faut dire. Mon gel douche, Billy me l'a vidé, j'en suis sûr et certain. Tu me l'as vidé. Tu me l'as vidé. Moi aussi, j'ai fumé. Au moins, regardez, une cuvette. Non, cuvette propre, ça, vous, tous les trois, vous êtes. À chaque fois que quelqu'un est allé chier, on a laissé l'endroit propre. Ça, je t'en elles ont subi les toilettes. Oh non, arrête, ça m'a redonné la nausée. Billy, c'est le dernier jour, dernière séance. En fait, c'est la tête, je le renvoie à son père. Non. Attends, ok. Allez, bâtard, il fait la peur de sa vie. C'est maintenant ou jamais. Oui. Wow. Oh non.
Go 110. Incroyable. Go 110. Elle est passée là, de la flex. Flex. Incroyable. Mon destin, c'est de reprendre la boxe et que je filme mes combats sur Twitch avec une prod et tout, des cadreurs pour ça. Que toi tu viennes, que Twitch vienne, que le public, que les viewers ils viennent. Frérot, j'animerai l'émission. Toi, tu combattras. Combien de temps tu donnes pour ça? Cet objectif. L'été prochain, je pense. Voilà. De toute façon, il faut pas être. Là, j'aime bien. Ça, c'est un nouveau Billy. C'est carré. L'ancien Billy, il t'aurait dit dans 2 mois. Dans 2 mois, on fait ça. Non, mais parce que là, il est sérieux. Dans 2 mois. Où on se revoit? Annoncé. Dans 2 mois, on se revoit. 110 ODC. 100, je te fais 3 reps. Muscle up, je t'en mets 3 d'affilée et 100 balancés. 5 d'affilée. Ouais, si t'en as 3, t'en as 5. Et après, le reste, je suis pas trop OP encore. Pour l'instant, t'es pas encore trop dedans. Soulever terre, faire 130, j'avais fait une fois. Tu l'as fait, ouais. Et prochaine arc, là, c'est street lifting. C'est quoi ça? Traction laissée, vite laissée, et ça monte. Et toi, Amine, objectif, qu'est-ce que tu vois? 3 tractions larges. Parce qu'à savoir que, traction large, j'arrive pas à en faire une seule, je fais 100 kills. Non, je pars pas celui-là. Je pars de celui-là. Là, la fondation, ça Et celui-là, avec mon poids, c'est un calvaire. Mais c'est bien, parce que c'est un exemple pour tous les gens qui ont du mal à, qui ont pas leur première traction. Et ça, il faut les prendre pour les gens qui ont besoin d'avoir leur première traction. C'est pas parce que vous savez pas faire des tractions que vous avez pas de niveau en muscu, ça a aucun rapport. C'est juste que vous pesez lourd et que vous maîtrisez pas votre poids corps. Mon but, c'est vraiment de maîtriser mon poids corps dans 2 mois et ventre sec. Bah voilà, on a déjà quelques bons objectifs. Ça, c'est le bon moyen de toujours, et le camp d'entraînement, c'est aussi le délire, c'est vous faites votre période, boum, ça se remet une claque, camp d'entraînement. Je pense, le premier va pas compter. Tu le mettras pas. Tu penses qu'il le mettra pas? Moi, je prends lui. Oh le bâtard. Oh le bâtard. Ah mais attends, il l'avait déjà fait. Il en perd sa voix. C'est bien Billy, tu as atteint le sommet. Maman, elle a glissé sur la barre. Vas-y. Ah. Oh là 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 là. Eh, j'ai juré pour en faire 2 d'affilée. Ah, valide ou pas là? Valide de ouf. Pourquoi tu valides pas? Hein? Il le sait et je le sais. Fais le saut que tu veux, super saut si tu veux. Allez, allez. Ton objectif, on veut revenir. Ton menton, il passe au-dessus de la barre. Allez. Vas-y, donne tout. Oh, let's go. Yeah, ouais. Fin de camp d'entraînement, il part aussi avec son petit sac rose. Oh, t'as plus... C'est le sac de ma petite tresse. C'était incroyable, j'ai appris trop de trucs. La technique, ça commence, je commence à capter des trucs, donc ça m'aide aussi. Billy, il est au top. Hygiène de vie, santé, énergie. Bon, y a un autre homme en train de là, la dernière fois que j'étais comme ça, je devais avoir 13 ans. Oh là là, après, je mangeais que des grecs, des McDo, ça allait plus après. Le but, c'est d'être à mon prime. Là, j'ai 24 ans. Le but, c'est d'être à mon prime à 26, 27. On y arrive, on y arrive. Je me réveille tard, hein, mais... Eh, oublie pas les objectifs fixés dans 2 mois. Et mine de rien, t'as survécu au double gifle des benches, là. Ouais. Incroyable. Et là, je te jure, je t'aurais pas raté. La seule qu'il y avait eu avant, je te promets, c'est une 30 par rapport à celle-là. C'est pour ça que je l'ai rentré parfaitement. Tu sais, je t'attendais. Vas-y, mon ref. À toutes. Attends, Amine, ça veut dire que tu prends toutes tes affaires, là. Ouais, moi aussi, je prends toutes mes affaires. Mais frérot, voilà, je suis en balayant ça. Ok, humeur d'élite, c'est comme Lance. Écoute ça, il reste vrai. Bon, Amine, les derniers mots du camp d'entraînement. Allez, gâteau, go dans les masses. Il sort comme un homme nouveau. Ah, je suis devenu trop large. Merci Idriss. Avant, je l'appartais sans problème, c'est chante. Mine de rien, il a simulé, mais il est vraiment pas capable de rentrer normal. Avec un doigt, avant j'avais besoin de 2 mains. Merci Idriss. Vas-y, continue à rigoler, on va voir prochain temps.